Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolet. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission d'Écrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous. On trouve des questions importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines. Nous les mettons comme la table, comme vous avez l'habitude de nous suivre. Nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens ou une forme selon nous. C'est d'ailleurs pour ça que chaque matin, quand on commence cette émission, j'ai l'habitude de dire que le Écrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu, c'est notre feeling. Ça veut dire quoi? Ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les exprimer, notre manière à nous de les ressentir. Nous sommes en démocratie et la démocratie est un régime qui est assis entre autres sur le principe des libertés d'opinion et d'expression. Ici, dans le cadre de cette émission, je m'appelle Claude Perrault-Loira. Je viens tout simplement vous donner mon ressenti, mon point de vue. J'exprime mes opinions par rapport à la marche de mon pays. Je prends une question importante. Et je les mets sur la table et je vous dis, voici ce que moi, Claude Perrault-Loira, je pense par rapport à tel, par rapport à tel ou par rapport à telle autre situation. Je suis donc très très heureux de vous retrouver. Je tiens à vous dire la main sur le cœur, merci. Merci pour la confiance que vous nous réitérez. Merci pour vos messages, pour votre accompagnement, pour vos appels énormes, vos critiques, vos encouragements, des choses qui nous permettent de tenir debout. Des choses qui nous font énormément chaud au cœur et c'est des choses qui nous poussent encore à vouloir faire les choses selon les règles de l'art pour vous permettre de continuer à nous suivre. Je suis très très marqué par vos marques de sympathie, vos messages et vos nombreux appels. Continuez à les faire. Je vais commencer cette émission. Vous connaissez le principe. Commencez par vous abonner. Si vous êtes un nouveau venu sur notre chaîne YouTube, abonnez-vous. Si vous ne l'êtes pas encore, si vous le regardez en famille, demandez à vos proches et à vos membres de famille de pouvoir le faire. C'est aussi un signe, une marque de reconnaissance et d'encouragement par rapport au travail que nous faisons. Et deuxièmement, je voudrais vous demander de pouvoir liker la vidéo si elle vous intéresse. C'est des précautions d'usage qui nous permettent de nous mettre à l'abri de certaines actions malveillantes des esprits des mauvais esprits, des gens qui n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Likez la vidéo, partagez la vidéo, ça c'est des choses qui nous mettent vraiment à l'abri. Je vous demande la main sur le cœur de le faire tout de suite, de pouvoir liker cette vidéo, de pouvoir la partager. Et puis troisièmement, si vous nous aimez, appelez Judith Londolé Betoko, Maman Betoko, Judith Londolé Betoko Betokos, moi c'est Kitoko, Molati c'est Kitoko, Bilamba Kitoko, Yemoro Kitoko. Judith Londolé Betoko, Molati c'est Kitoko, Bilamba Kitoko, Yemoro Kitoko avec sa boutique La Londoloise. Vous êtes un homme, vous voulez vous habiller de manière chic et extraordinaire. L'habillement homme n'a qu'une seule adresse. Regardez les spots publicitaires qu'on a diffusés avant cette émission et aussi à la fin de cette émission. Contactez donc notre partenaire très très privilégié, Madame Judith Londolé Betoko Betokos. Passez vos commandes, veste, chaussures, cravate, chemise, tout ce qui concerne l'habillement homme, montre, parure masculine, tout ce qui concerne les hommes en termes d'habillement et n'a qu'une seule adresse. Donc c'est Judith Londolé Betoko. Ceux qui ont commandé peuvent témoigner, c'est extraordinaire. Je voudrais saluer, comme je l'ai promis, j'ai promis de le faire hier au cours de l'émission à l'OCPL, je voudrais saluer ici un téléspectateur qui nous regarde de loin. Monsieur Alain, qui nous regarde de loin, il est de nationalité camerounaise et nous regarde à partir des États-Unis d'Amérique. J'ai parlé hier avec lui, il m'a expliqué qu'il est parmi mes fidèles téléspectateurs. Il me dit, c'est ma femme qui est congolaise, qui a fait que je puisse te découvrir. Je suis flatté par le travail que tu fais, tout ça. Ça m'a fait chaud au cœur. De savoir qu'il y a aussi des frères des autres nationalités qui nous regardent et qui nous soutiennent. Monsieur Alain, en tout cas, mes salutations.
à partir des États-Unis. Je voudrais également en profiter pour saluer votre épouse. Il faut la saluer et les enfants toutes les personnes qui sont avec vous. Comme on s'est dit, rassurez-vous, votre situation est en route. Votre colis est en route. Vous l'aurez, comme je l'ai dit, avant la fin de la semaine. Mesdames, Messieurs, vous avez vu mon thème. Je viens aujourd'hui qu'on cogite encore une fois de plus autour de quelques deux, trois thèmes importants. Je parle de la situation de la justice de la République démocratique du Congo. J'aborderai l'épineuse question de la mission des Nations Unies au Congo. Doit-elle partir? J'ai largement donné mon point de vue là-dessus. Et aujourd'hui, je voudrais en revenir parce que l'actualité a un peu évolué avec une correspondance du ministère des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo. J'ai la copie, je vous lirai et puis on finira par conclure. Et mon téléphone sera ouvert pour recevoir vos appels en dehors de cette émission parce que vous savez que le Décrit Info, ce n'est pas un magazine à téléphone ouvert, c'est un magazine où moi je viens, je donne mon point de vue. Un programme spécial où vous aussi, nos téléspectateurs, vous parlez et donc disponible sur notre chaîne. Aujourd'hui, à partir de 20h30 ou 21h, je serai de nouveau en direct avec vous au travers de l'émission Allo CPL. Allo CPL, c'est votre émission, c'est vous qui la faites, rappelez-vous bien. Là, vous, nos téléspectateurs, vous venez vous donner vos points de vue par rapport à la marche de votre pays. Donc ça, c'est un espace que la chaîne a bien voulu réserver pour ses abonnés parce que l'actualité, c'est également pour vous qu'on les fait. Et là, dans Allo CPL, c'est vous qui faites l'actualité parce que là, vous donnez votre point de vue sur la marche de votre pays, sur les questions importantes qui concernent votre pays. Donc rendez-vous tout à l'heure à 20h30 et 21h, je pourrai démarrer notre émission à l'OCPL. Vous allez donc intervenir au plus 243 85 11 65 115. Plus 243 85 11 65 115, c'est donc le numéro via lequel vous avez la possibilité de nous joindre pour donner vos points de vue dans le cadre des missions Allo CPL. Ici, je suis dans les décrits info et vous connaissez le principe majeur, l'engagement personnel que j'ai pris avec vous tous, c'est lui de toujours commencer mes émissions dans le cadre de cette émission Allo CPL par la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Je serai bref là-dessus parce que je vais revenir encore sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo quand j'aborderai les questions liées notamment aux Nations Unies. J'ai dit que j'ai décidé, moi, d'ouvrir toutes mes émissions d'écrit info avec la situation sécuritaire dans l'Est de la République pour deux raisons. La première des raisons, parce que je commençais à trouver anormal que nous soyons dans un pays qui est en guerre. Un pays qui vit des situations très compliquées dans une grande partie de son territoire, je parle de l'Est de la République, un pays qui a des situations, des morts, des catastrophes humaines, des décapitations, des pillages, d'incendies, des villages. Mais que vous ayez la possibilité, ou plutôt vous ayez l'impression que ce qui se passe là-bas ne concerne pas les autres, moi ça m'a mis un peu mal à l'aise. Je ne suis pas ceux qui estiment que l'Est de la République, c'est à plus de 2000 km, que nous, à Kinshasa, nous sommes bien, qu'à Matadi, la vie. Non, moi, je suis de ceux qui estiment que le Congo, dans sa compréhension et dans sa conception, doit être pris comme un corps. Et toutes les parties du corps sont importantes. Il n'y a pas des parties infimes ou des parties qui peuvent dire « Moi, je suis plus important parce que je m'appelle cerveau, je suis le centre névralgique du bon fonctionnement. C'est moi qui décide de ce qui doit arriver. L'orteil ne représente rien, le doigt ne représente rien. » Quand vous prenez le fonctionnement du corps, une anomalie, une peine, un problème, quel que soit l'endroit où il se situe dans le corps, c'est tous les corps qui est malade. Sortez de votre maison, allez heurter une pierre, vous allez sentir même des douleurs partout dans votre corps, tout le corps sera malade. Et cette histoire de croire que ce qui se passe dans l'Est de la République, c'est dans la cage du voisin, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Et je me propose donc de commencer mes émissions pour alerter l'opinion. Pour vous dire, vous qui êtes dans votre salon en train de me regarder, peut-être avec votre pizza sur la table, avec vos pop-corn, que rassurez-vous que depuis que j'ai commencé cette émission, il y a une femme qui a été violée dans l'Est de la République. Il y a un homme qui a été décapité, il y a une famille qui a vu
ces maigres moyens être enflammés, incendiés par des rebelles. Il y a des enfants qui deviennent orphelins. J'en ai trois, les enfants. Je comprends l'amour, l'engagement et le dévouement quand on est père de voir ses enfants grandir dans des bonnes conditions. On est prêt à donner sa vie pour sa progéniture. Et lorsqu'on vient vous ôter la vie, alors que vous avez des enfants à bas âge, j'espère que vous, là où vous partez, vous avez même du mal à vous reposer éternellement en paix, parce que vous vous posez la question, mais ma famille, mes enfants, qu'est-ce qu'ils deviennent? Mais là, vous avez des compatriotes qui vivent cette calamité tous les jours, à l'indifférence totale de beaucoup d'entre nous, en commençant d'ailleurs par la tête. Parce que je ne peux pas comprendre, je ne peux pas m'expliquer que pendant que son pays est en guerre, que son pays connaît des situations compliquées, que le premier citoyen, commandant suprême par-dessus tout, lui prenne le luxe d'aller jouir, hein, s'offrir des jouissances à Marbella, à gauche et à droite. Le Congo a besoin de nous. Nos compatriotes de l'Est et de la République vivent des situations dramatiques. Ils ont besoin de nous. Chers compatriotes, chers frères africains, chers frères, je ne sais d'où, partout où vous êtes, retenez qu'il y a des situations dramatiques et très compliquées dans votre pays. Moi, je vous alerte. Je tire la sonnette d'alarme. Je voudrais ici jouer un peu au sapeur-pompier. Si une personne, si deux, si trois, si quatre, cinq personnes peuvent entendre ma voix, je l'ai toujours dit, je serai l'homme le plus heureux de la planète. Je dirais, Perrault, ouf, tu as apporté ta pierre de contribution à l'évolution et à l'édification de ton pays. Et chacun de nous, partout où il est, il doit se poser la question de ce qu'il doit faire pour son pays. Le pays a besoin de nous. Le Congo est le seul bien commun que nous avons. C'est le seul héritage que nous avons hérité de nos parents. Nous avons, j'ai toujours dit, la responsabilité de protéger ce pays. Nous avons la responsabilité de le développer. Et surtout, nous devons nous assurer que nous allons léguer un pays mieux que ce que nous avons hérité de nos parents, comme l'est dit d'ailleurs un paragraphe de notre hymne national. Quand on chante, on dit « nous bâtirons un pays plus beau qu'avant ». C'est donc notre responsabilité de travailler pour bâtir un pays plus beau qu'avant, léguer un pays mieux que ce que nous avons hérité de nos parents à nos enfants. Ça, c'est responsable. Ça, c'est aimer son pays, aimer sa patrie et surtout aimer ses enfants, sa progéniture. Deuxièmement, je l'ai fait parce que je voudrais ici envoyer des ondes positives. Je voudrais ici exprimer mon soutien, ma solidarité à nos compatriotes de cette partie de la République. N'oubliez pas qu'on dit dans une langue de chenouille que on reconnaît les vrais amis pendant les moments de difficulté. Ceux qui sont dans cette partie du pays vivent des moments très catastrophiques. Nous sommes donc obligés de leur apporter notre soutien, notre solidarité, notre compassion. Compatriotes de l'Est et de la République, rassurez-vous, je suis des cœurs avec vous. Je suis des cœurs avec vous. Et ne vous découragez pas, ne plongez pas dans une sorte de fatalisme. C'est vrai que nous tous, et vous surtout en particulier, en ligne des fronts, vous vivez des situations très compliquées. Mais il sera pour nous une grosse erreur que d'aller dans des fatalismes en disant « c'est fini, c'est comme ça ». Comme j'entends certains dire « bon, tout est comme Mokango, Mokango le Kabiso Mounene » et même par-dessus tout, notre président dire à un moment donné que Mokango Koufanango. J'ai toujours dit « quelle irresponsabilité ». Quand on est président de la République, on a la responsabilité de drainer ce compatriote, de répandre un vent d'espoir. Mais quand soi-même, on vient exprimer une sorte de désolation, de désespoir, j'ai toujours posé la question, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là dans la tête de notre président pour tenir un tel discours? Donc, on reste confiant, on continue à croire en l'avenir, surtout à travailler pour que la paix et la sécurité reviennent totalement dans l'Est de notre pays pour que nos compatriotes de cette partie de la République puissent retrouver la paix et on aura en ce moment-là fait œuvre utile et on aura travaillé pour notre pays. Voici ce que j'avais à dire sur l'Est de la République démocratique du Congo en très peu de temps. Demain, je redirai la même chose. C'est un engagement pour lequel je ne suis pas prêt un engagement que j'ai pris, que je ne suis pas prêt à oublier et je tiendrai ça parce que je voudrais vraiment que ceux qui me suivent comprennent que nous vivons des situations très catastrophiques dans mon pays. Je l'ai toujours dit, hein, si une personne, si deux, si trois
peuvent entendre ma voix, je serai l'homme le plus heureux de la planète et je me dirai que j'ai fait une œuvre utile en parlant de mon pays et en alertant l'opinion nationale et internationale sur ce qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays. Voilà ce que j'avais à dire. Les amis, permettez-moi donc d'aborder la question pour laquelle je suis venu vous voir aujourd'hui, mais avant tout, je voudrais déblayer les terrains sur deux ou trois petites choses. Je viens de lire chez notre compatriote, notre ami Eric Wemba, dans son journal exclusif RDC, que M. Jean-Marc Kabound est convoqué demain au niveau du bureau de l'Assemblée nationale. Et exclusif RDC croit savoir que c'est une opération de formalité. Parce que vous savez que selon les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale, et même selon le droit positif congolais, on ne peut pas poursuivre, inculper un député si, au préalable, on n'élève pas ses immunités, sauf en cas de flagrance. Jean-Marc Kabound a fait des déclarations que moi je trouve d'ailleurs judicieuses. Vous savez que le régime totalitaire qui s'installe dans le pays avait décidé de trouver des voies et moyens, des mécanismes pour faire taire Kabound. Je ne veux pas revenir sur ça, j'ai fait plusieurs émissions là-dessus, donnant mon point de vue sur ce qui se passe. Mais Kabound a été convoqué préalablement au niveau de l'office du procureur après la Cour des cassations. Là aussi, j'en ai parlé. Il a été entendu et mardi hier, il a été de nouveau convoqué, il y est allé et selon les informations, il n'a pas été entendu, il est resté là-bas pendant 2 ou 3 heures et après on a décidé de lui demander de partir. En réalité, la justice instrumentalisée, théâtralisée est en train de s'organiser pour trouver par quel bout prendre M. Jean-Marc Kabound. D'abord, ils se sont dit, comme je vous ai dit la dernière fois, que dans un contexte de manifestations, notamment dans l'Est de la République, parce que vous savez que Kabound a été convoqué pendant que ça brûlait, il y avait des manifestations publiques contre la MONUSCO, les Congolais de l'Est de la République, Goma, Bukavu, Uvira, une partie de l'Ituri, exigeaient le départ de la MONUSCO, des manifestations qui ont subi des débordements, avec les saccages, le pillage, l'incendie et tout des installations de la MONUSCO, des faits que je dénonce, que je condamne avec la plus grande énergie. J'ai toujours rappelé à nos compatriotes que l'exercice d'un droit ne doit pas tordre un autre droit. Certes, on a le droit de manifester, mais le droit de manifester ne vous confère pas le droit de pouvoir aller casser chez les gens, d'aller détruire. Casser à la MONUSCO, détruire, s'attaquer au casque bleu ne nous apporte absolument rien. Je vous ai toujours dit, ne évitons que de par ce que nous faisons, nous puissions aggraver une situation qui est déjà grave à mon point de vue. Alors, ils se sont dit que le contexte actuel étant caractérisé par des manifestations de masse, une arrestation de Jean-Marc Kabound sécuritairement était un risque et des taux qu'il ne fallait pas prendre. Parce que Tshisekedi sait, il n'est pas ignorant des désamours que les Congolais ont. Il le sait, Tshisekedi sait qu'aujourd'hui, il a échoué. Il sait que les Congolais ne peuvent plus croire en lui et qu'ils ne vont pas lui renouveler confiance. Et là, tous les moyens sont en train d'être mis en place pour faire un passage en force, avoir un autre mandat en force. Alors, arrêter Jean-Marc Kabound dans un contexte de désamour d'un régime qui devient totalitaire, dictatorial, et dans un contexte de manifestation, sécuritairement, ils se sont dit non, on ne prend pas les risques. Peut-être que les gens peuvent manifester en se référant à ce qui se passe dans l'Est de la République, il faut laisser. Deuxième élément, ils l'ont laissé parce que Kabound est venu en confiant un homme sûr, il a dit qu'il a des éléments. Parce qu'il est poursuivi pour diffamation, outrage au président de la République, Kabound allègue qu'il a des confirmations, il a des éléments de ses allégations. Quand il vous dit que Tshisekedi est en train de piller la République, que des sacs d'argent quittent le Congo par des jets privés pour des paradis fiscaux, quand le procureur lui a posé la question, Kabound a dit « J'ai des éléments autant opportuns, j'apporterai des preuves de mes allégations. »
ils sont en train de chercher à savoir effectivement quels sont les éléments dont dispose Jean-Marc Kabound. L'objectif était de l'harceler pour comprendre effectivement quels sont les éléments que Jean-Marc Kabound a. Mais ils n'ont pas pu le faire lors de la première audience, non plus lors de la deuxième. Et ils sont toujours dans leur logique de pouvoir faire taire Jean-Marc Kabound. Et là, comme l'Assemblée nationale a perdu de son aura et de son sens, c'est devenu aujourd'hui une sorte de caisse de résonance où M. Tshisekedi peut aller jouer au football là-bas. C'est un terrain d'entraînement où les décisions, les instructions du président de la République, du régime, passent comme une lettre à la poste. Et ils ont reçu des instructions, ils sont allés un peu plus loin en invitant, selon nos confrères d'exclusif RDC, Jean-Marc Kabound demain. Là, c'est pour respecter la procédure. Nous avons déjà une jurisprudence dans ce pays où Mike Moukebaye a été arrêté, alors que Godem Poy, les charlatans, avaient décidé de pouvoir lever ses immunités sans pour autant respecter les droits de la défense. Donc, Moukebaye n'a pas été entendu. Et les avocats de Moukebaye sont allés devant la cour de la cour constitutionnelle qui a cassé la décision en indiquant que le droit de la défense n'a pas été respecté. Moukeba était déjà en prison, il est sorti, et les gens veulent refuser cela, refusent de réitérer cela. C'est comme ça que Jean-Marc Kabound est convoqué demain, certainement pour une question de formalité. On sait que quels que soient les éléments de défense que M. Kabound mette sur la table devant Mbosso, tout est théâtralisé, l'ordre a déjà été donné, l'Assemblée nationale va lever ses immunités pour les livrer à la justice. Et là, la justice décidera de ce qu'il va faire et des occasions, des moyens à trouver pour faire taire M. Jean-Marc Kabound. Donc, on est là en face d'une justice théâtralisée. M. Tshisekedi est en train de battre de l'aile par rapport à sa gestion catastrophique. Le pays est dans une situation terrible. L'UDPS a pris le pouvoir, il est en train de nous amener vers un gouffre. On est dans l'abîme, dans un régime que Kabound traite d'incompétents, de jouisseurs, de détourneurs, des gens qui n'ont pas de vision, qui n'ont pas d'idéal. Ils savent qu'ils ne sont plus en odeur de sainteté avec les Congolais. La logique aujourd'hui, c'est de pouvoir, intimider les gens, arrêter les gens, et sont même dans une logique d'assassinat. Ne soyez pas surpris dans les jours qui arrivent de voir les gens être assassinés. Parce qu'aujourd'hui, dans la logique du régime dictatorial actuel au pouvoir dans mon pays, ils sont dans une logique de le pouvoir pour le pouvoir. Le pouvoir pour le pouvoir. Ils tiennent à se maintenir pour continuer leur œuvre destructrice de la nation. L'œuvre des saccages, des pillages et des détournements du pays. Et ils sont dans la logique du pouvoir pour le pouvoir. Regardez ce qu'ils sont en train de faire, mes chers compatriotes. Vous avez un régime issu de l'opposition. Des gens qui disent avoir fait près de 40 ans dans l'opposition. Ils avaient des slogans dont deux étaient plus importants, plus majeurs. Le peuple d'abord. Ça veut dire que nous, UDPS, une fois au pouvoir, nous ferons de l'intérêt supérieur notre cheval de bataille. Le collectif, l'intérêt collectif prendra le pas, le dessus sur les intérêts individuels. Mais aujourd'hui, c'est devenu un slogan creux. Les actions, la gouvernance de l'UDPS au pouvoir démontrent à suffisance que c'était un slogan creux. On ne peut pas dire que le régime actuel est un régime du peuple d'abord. Tout sauf le peuple d'abord. Ils sont arrivés avec la jouissance, la gabégie, le détournement. Des gens qui n'avaient rien fait de leur vie, qui faisaient des petits boulots, des copes, mais qui sont aujourd'hui multimillionnaires et même milliardaires en 4 ans de pouvoir. Le problème du peuple, on s'en fout éperdument. Regardez les conditions de vie des Congolais. Nos conditions se sont détériorées depuis que le régime de l'UDPS est au pouvoir. Deuxième slogan qu'ils avaient dans l'opposition, c'était l'état des droits, les peuples d'abord et l'état des droits. L'état des droits est un état dans lequel le droit, le principe prennent le pas sur tout le monde. Les gens sont égaux devant la loi. L'état des droits, c'est différent de l'état des jungles. L'état des droits, c'est un état dans lequel la force est aux lois. C'est un état dans lequel règne la force de la loi et non pas la loi de la force. Mais aujourd'hui, vous avez des magistrats paupérisés. La justice est devenue une affaire de théâtre.
une justice qu'il a trouvée déjà instrumentalisée, que lui, il a ajouté à notre argument, c'est la théâtralisation. Qu'est-ce que Jimmy Kitenge est en train de faire à l'heure où nous parlons dans les cachots de la mer? Ça fait presque une semaine que ce garçon, père de famille, épouse de quelqu'un, fils de quelqu'un, oncle, ami, a été enlevé brutalement en plein jour à Kinshasa. Et ça fait plus de une semaine en gros que le garçon est dans le cachot de la mer. Alors que M. Tshisekedi, quand il prend le pouvoir, il nous dit que j'ai décidé d'humaniser les services de renseignement. Que les services de renseignement ne seront plus au service d'un individu pour brimer son peuple. Il a dit qu'il a donné des ordres pour que les cachots de la mer soient fermés. Mais si vous avez des choses que vous reprochez à M. Jimmy Kitenge, il faut l'envoyer devant son juge naturel. Il faut l'envoyer devant son juge naturel. Cet homme est en train de voir ses droits les plus fondamentaux être violés. Il n'a pas droit de voir sa famille. À l'heure où nous parlons, près d'une semaine, sa femme ne sait pas dans quelles conditions se trouve son mari. Il n'a pas droit d'être consulté par ses avocats, par son médecin. On ne sait pas s'il mange et s'il boit. Il y a même des rumeurs qui ont circulé ici qu'il serait décédé dans le cachot de la mer. Je parle des rumeurs. Après, on a dit que c'était des fake news. Et ceci se passe sous les rênes de l'UDPS. Regardez ce qu'ils ont fait avec François Béa. Un homme qui les a aidés à asseoir leur pouvoir frauduleux. On lui donne une mission. Et il vous amène les éléments de la mission pour laquelle vous l'avez donnée. Vous faites une sorte de bénédiction à une guerre des palais. Aujourd'hui, François Béa, sécurocrate de son état, se trouve dans la situation où elle est. Ses droits sont totalement bafoués. On s'en fout. Il y a un certain Momo, le pasteur Momo, qui a été enlevé à Colouzi. À l'heure où nous parlons, depuis le mois d'avril, il est dans le cachot de la mer. Mais si vous pensez que vous avez des choses à reprocher à ces gens, il faut les envoyer devant leur juge naturel. Il faut les envoyer devant leur juge naturel. Qu'est-ce que Jimmy Mukendi fait en ce moment ici? Il y a des jeunes de la Mouka qui sont en prison. Des journalistes sont brimés. Et ceci se passe sous le régime de l'UDPS. Je vous jure et je corrobore ce qu'un invité a dit sur mon plateau. Si Étienne Tshisekedi Wamulumba était vivant, il serait le plus grand opposant et le premier opposant de son fils Félix-Antoine Tshisekedi. Si Étienne Tshisekedi Wamulumba était vivant aujourd'hui, il serait le plus grand opposant de ce que Félix est en train de faire. Je sais que Tshisekedi Étienne ne se repose plus jamais en paix depuis que son fils a pris le pouvoir. Il est en train de voir son nom être drainé dans la boue. On prend les grands noms Tshisekedi qu'on est en train de vautrer dans la boue aujourd'hui. Les actions posées n'ont rien à voir avec Étienne Tshisekedi Wamulumba. Les gens se sont éloignés des principes et des réalités posées par Étienne Tshisekedi Wamulumba. Tshisekedi a sacrifié sa famille, sa vie, pour lutter pour ses principes, l'état des droits et le peuple d'abord. Aujourd'hui, son malheur est que ses principes cardinaux sont bafoués par son propre fils. On est là en train d'assister à une sorte de... Il enterre doublement son père. Monsieur le président de la République, le monde est une roue. Monsieur le président de la République, je prends rendez-vous avec vous, monsieur Félix Tshisekedi. Je prends date avec vous. Vous n'êtes pas le premier président de ce pays-là. Arrêtez les grimaces, monsieur le président de la République. Avant vous, on a connu un tout-puissant maréchal. Mobutu Sese Seko Kuku Bwendu Wazabanga. Il n'est pas là aujourd'hui. Posez la question à Zanga Mobutu. Les Guyala sont au Sénat là-bas. C'est que leur père faisait à cette époque. Ils étaient des intouchables, des familles présidentielles. Ils ne sont pas là. Avant Mobutu, il y avait Kassavubu. Après, il y a eu Laurent Désiré Kabila. Il y a eu Joseph Kabila, des pratiques comme des pratiques de Kalev que vous, Tshisekedi, vous avez décriées. Ils ne sont pas là aujourd'hui. D'ailleurs, ils étaient mieux organisés, plus forts que vous, Félix Tshisekedi. Votre régime est fragile. Mobutu était impuissant. Le léopard du Zaïre. Il avait le contrôle de l'appareil de l'État que vous, d'ailleurs, vous n'avez pas. Ils ne sont pas là. Vous finirez par partir, monsieur le président. Et je sens que vous finirez très mal avec votre régime.
parce que vous avez décidé de jeter dans la poubelle les principes cardinaux de la conduite des affaires de l'État légués aux Congolais par votre père. Je prends rendez-vous avec vous. Faites ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes les puissants d'aujourd'hui. Le monde est une roue, ça tourne. Avant vous, il y a eu des présidents de la République. Il y a eu des entourages du président. Aujourd'hui, vous êtes les hommes les plus forts. Vous donnez des ordres aux magistrats. Vous pourchassez les gens. Vous arrêtez, vous mettez dans les cachots de la nerf. Bravo à vous. Bravo, les puissants. Bravo, Jimmy est en prison. Ce n'est pas votre affaire. Vous, les fils de Tshen Tshisekedi Wamulumba. Momo est en prison, vous vous en foutez. Aujourd'hui, il faut arrêter Kabound. Pour votre pouvoir, le pouvoir pour le pouvoir. Bravo à vous, faites-le. Mais vous êtes tout simplement amnésique. Et j'ai mal pour votre père. J'ai mal pour Etel Tshisekedi Wamulumba. S'il était vivant, Tshisekedi serait votre plus grand opposant. Parce que ce que vous faites n'a rien à voir de ce que lui l'apprenait pendant toute sa vie et pendant tout son combat. Vous faites la honte de Etienne Tshisekedi Wamulumba. Aujourd'hui, ce régime fait la honte de Etienne Tshisekedi Wamulumba. Ce régime fait la honte. Mais nous sommes ici. Il y aura aussi des procès contre vous. Dans ce pays-là, il y aura des procès pour les 100 jours, pour lesquels vous êtes allé prendre 500 millions de dollars dans les réserves d'échange. L'argent que vous nous avez escroqué avec RAM, on parle de plus de 300 millions. Monsieur le Président, il y aura des procès. C'est chez Couleur, c'est l'audateur, flagorneur qui sont autour de vous, en train de vous chanter béton, béton, béton. D'accord. Il y en a eu comme Ngobila qui chantait Mingi Mingi, Raïs. Raïs n'est plus là, Ngobila est là. Ils vont vous laisser, ils sont des croque morts. Ils vont vous abandonner au cimetière, ils partiront. Vous, vous allez rendre des comptes aux Congolais. Faites ce que vous êtes en train de faire. C'est bon, c'est votre tour. Nous avons cru que le fils de Tshen Tshisekedi Wamulumba a pris le pouvoir pour changer les choses. Mais vous venez, vous faites pire que les gens que vous avez critiqués. Honte à ce régime. Mais c'est une roue, ça tourne. Rien ne reste éternel. Vous finirez par passer. Et on se posera des questions ici. Continuez à faire ce que vous entendez. Donc, ils ont pris la justice, les amis. Ils l'ont instrumentalisée et théâtralisée. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Comme ils sont forts, ils utilisent la force publique pour contraindre des gens à s'allier à eux. Regardez ce qu'ils sont en train de faire avec Matata Ponyo. Procès Bukanga Lonzo, Balongo Nango Bamati Bakiti. Na cour constitutionnelle. La cour constitutionnelle, et maintenant c'est la cour de cassation. En clair, ils ont tout simplement fait ça pour faire capituler Matata. Ils savent qu'en termes de droit, il n'y a pas d'élément contre Matata. Le droit, c'est aussi la forme. D'abord, avant tout, la forme. La cour constitutionnelle a dit que cet homme n'était plus... Elle n'était pas compétente elle-même pour juger Matata. Mais ils ont amené ça à la cour de cassation. L'objectif est simple. Utiliser les moyens de l'État, la force publique, pour contraindre les gens à s'allier avec eux. Aujourd'hui, ils sont sur le point d'abandonner les poursuites contre Matata parce qu'il leur a donné ce qu'eux croient. Regardez, Matata est allé à Kindu. J'ai été étonné que quelqu'un vienne parler le nom de Tshisekedi en public. Peut-être qu'ils veulent lancer des signaux pour leur nouvelle alliance. Heureusement que la population a dit non, pas lui. La population a dit non, pas lui. J'en appelle à la conscience de nos hommes politiques. Battez-vous avec le peuple. Le régime de Tshisekedi, les Congolais ne sont plus avec eux. Avec. Là, ils font tout ça pour amener les gens à capituler. Pour amener les gens à capituler. Au lieu de poser des principes, des éléments qui peuvent aider la République à aller de l'avant, qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent les moyens de l'État, la force publique à leur disposition, pour contraindre, pour amener les gens à capituler et à faire alliance avec eux. Mais qui peut croire? Il faut vraiment... Moi, je ne sais pas. On est un homme politique. Seulement parce qu'en Afrique ou peut-être au Congo, les gens mettent en avant plus les intérêts et l'argent. Qui peut croire à la sincérité d'une alliance politique avec Félix Tshisekedi? Regardez ce qu'ils ont fait à Vital Kamerhe. Ils ont exposé sa femme, ils ont exposé ses enfants. Dans un procès, eux-mêmes, ils savaient les tenants et les aboutissants. Quand ils se sont rendus compte qu'ils étaient coincés, ils sont allés les prendre, ils l'ont libéré. Parce qu'ils ont un rôle à faire jouer à Vital. Mais je ne comprends pas.
Et ceci s'est fait à l'heure où le fils de Tchèn Tshisekedi de Wamulumba est au pouvoir. Je sais que ce vieux-là, il doit se retourner comme ça, dans sa tombe. Il doit se retourner dans sa tombe au regard de la manière dont les choses sont en train d'être menées par son fils. Les moyens de l'État sont donc utilisés pour contraindre les gens. Quand on est vraiment sérieux avec soi-même, qui peut aujourd'hui aller convoler annonce avec le régime de Tshisekedi? Toutes les personnes qui les ont aidés, ils les ont trahis, ils les ont maltraités. Kabila qui leur a donné le pouvoir sur un plateau d'or, déclaré par la Cour constitutionnelle et par la CENI. Tout le monde sait que Tshisekedi n'avait pas gagné les élections. Tout le monde le sait. Nous avons dit, ok, la Cour constitutionnelle a déclaré, ok. Mais tout le monde sait qu'il n'a pas gagné les élections. Mais l'homme qui lui a donné le pouvoir, après c'était quoi? C'est Kabila, on me bloque, il finit mal. Katumbi vient l'aider, Katumbi, il finit mal. Béa qui monte, qui l'aide à asseoir son régime frauduleux, il finit mal avec Béa. On monte une histoire bidon de manière inintelligente. Inintelligente, je veux dire. Et aujourd'hui, Béa se trouve dans les nouf. Batou nyonso ba approcha bango ba ida bango, parce qu'on a bango mabé. Et l'élo, yoro longwa kaka wa politicien longwe à l'okéi, ok. Qui a bu boira? Ils utilisent déjà comme des béquilles, comme des ponts pour traverser. Une fois qu'ils traversent, ils oublient. Il faut même sauter les ponts, brûlent, c'est plus leur affaire. Ils s'en foutent. Donc il faut faire attention quand on est dans la politique et qu'on décide aujourd'hui d'aller convoler annonce avec le régime de l'UDPS qui nous pose énormément de problèmes. Je voulais parler un peu de la situation sécuritaire dans l'Est de la République avec les Nations Unies. J'ai ici une correspondance, permettez-moi de vous lire, si vous ne l'avez pas encore lue, que nos confrères d'Exclusif RDC, j'aime beaucoup lire ces médias-là, c'est un ami à moi, M. Eric Wemba, que je salue de loin. J'ai même appris qu'il était sur la liste des prochains journalistes qui seront arrêtés. Comme ces gens qui sont au pouvoir, ils n'aiment plus les critiques. J'ai appris que Wemba est aussi sur la liste des gens, des potentiels incarcérés de demain. Bon, l'UDPS ne nous surprend plus. C'est un document du ministère des Affaires étrangères que je vais vous lire. Le ministère des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo présente ses condoléances à la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, MONUSCO, et a l'honneur de porter à sa connaissance ce qui suit. Au regard de l'exaspération regrettable actuelle des tensions entre la population civile et la MONUSCO, particulièrement au Nord Kivu, tensions dues notamment aux déclarations indélicates et inopportunes de porte-parole de la MONUSCO, M. Mathias Gilman, le gouvernement de la République démocratique du Congo considère que la présence de ce fonctionnaire sur le territoire national n'est pas de nature à favoriser un climat de confiance vu non seulement du meilleur en vue, un climat de confiance mutuelle et de sérénité si indispensable entre les institutions congolaises et la MONUSCO, en vue non seulement du meilleur accomplissement du mandat confié à cette dernière par le Conseil de sécurité des Nations Unies, mais aussi de faire aboutir le plan de transition aux fins de son retrait définitif de la République démocratique du Congo à l'horizon 2024, comme convenu. Aussi, le gouvernement appréciera-t-il beaucoup que les dispositions soient prises pour que M. Mathias Gilman quitte le territoire congolais dans le plus bref délai. Il sera gré à la mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo de bien vouloir accorder à la présente toute l'attention qu'elle requiert ainsi que le bénéfice de l'urgence. Le ministère des Affaires étrangères de la République
démocratique du Congo saisit cette occasion pour renouveler à la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en RDC les assurances de sa considération très distinguée. Kinshasa, le 28 juillet. Donc c'est une correspondance interne du ministère de l'Intérieur qui déclare Mathias Guilman, porte-parole des Nations Unies, comme personne non grata en République démocratique du Congo. Ils estiment que les déclarations tenues par ce dernier sont des naturels. J'ai essayé de vérifier un peu les déclarations. On lui reproche notamment le fait d'avoir dit qu'à l'heure actuelle, la MONUSCO et les FARDC sont dans une sorte d'incapacité de combattre le M23. Vu la force de frappe des M23, il a dit ça, bon, j'ai dit avec mes mots. Mais il a constaté que l'armement utilisé par le M23 était tellement sophistiqué, d'où d'ailleurs la confirmation d'une certaine manière de l'appui de l'armée rwandaise. Parce qu'on dit que le M23 utilise des armes très sophistiquées. Aujourd'hui, ils sont d'ailleurs en train de consolider. Ils ont encore conquis d'autres localités dans l'est de la République. Ils sont en train d'asseoir une administration à Bounagana et partout. Ils ont mis leurs fonctionnaires là-bas. Et ces déclarations n'ont pas plu à la République démocratique du Congo. J'ai deux, trois choses à dire. Les amis, je suis totalement d'accord avec vous tous que la MONUSCO a un bilan mitigé. Ça, c'est évident. Tous les Congolais le savent. Je l'ai dit dans mon décret de lundi. À un moment donné de l'histoire de notre pays, la MONUSCO était la plus grande mission des Nations Unies dans le monde avec 24 000 hommes. À l'heure où nous parlons, elle est la plus vieille mission en Afrique. Elle est au Congo depuis 1999. Elle était à 22, 24 000 hommes. Aujourd'hui, nous sommes aux alentours de 16 000, quelque chose comme ça. Et il y a un plan de désengagement qui a été convenu avec le gouvernement de la République démocratique du Congo pour qu'il quitte le pays d'ici 2024. Moi, je suis totalement d'accord avec la plupart de mes compatriotes que nous devons nous poser des questions sur la présence et le travail de la MONUSCO. Totalement d'accord. J'ai dit que je comprenais l'exaspération, les manifestations, même si je condamnais les violences et les débordements qui ont suivi. Mais le droit de manifester est un droit constitutionnel, démocratique, reconnu au peuple. Mais je veux tout simplement amener le débat un peu plus loin. Mettons-nous ensemble, réfléchissez avec moi, chers compatriotes. Nous sommes en 2015-2016. Déjà à son temps, Kabila, président de la République, estime sa volonté de voir la MONUSCO partir. Il dit que le bilan de la MONUSCO est mitigé. Qui monte sur le créneau pour contester cette volonté-là, Étienne Tshisekedi wa Mulumba, UDPS et son fils Félix Tshisekedi, aujourd'hui président de la République. En 2016, Kabila, sur la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies, appelle au départ de la MONUSCO. L'UDPS dit qu'il est hors de question. La MONUSCO ne partira pas. Ils nous ont dit que la MONUSCO était là, que Kabila voulait tricher aux élections, que Kabila voulait le départ de la MONUSCO pour maltraiter, pour insécuriser les opposants. C'était ça l'argument. Tshisekedi arrive au pouvoir en 2019. Avant l'arrivée au pouvoir, il dit la MONUSCO ne partira pas. Moi au pouvoir, la MONUSCO ne part pas. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui pour que le régime et cet homme qui défendait bec et ongles la présence de la MONUSCO dans mon pays décident une fois comme ça de faire partir la MONUSCO? Il a même utilisé un de ses hommes, Bahati Lukwebo, que beaucoup accusent d'être responsable des troubles contre la MONUSCO, parce que c'est lui qui a commencé publiquement par appeler au départ de la MONUSCO et le lendemain, les manifestations ont suivi. Bahati, c'est l'homme de Tshisekedi, donc c'est Tshisekedi qui l'a envoyé à dire ça. Et ils ont enflammé une situation, ils ont mis le feu. On parle de plus de 20 morts. Si on est sérieux, on doit se poser des questions. Il faut qu'on tire les responsabilités. Je vois l'AFDC, je vois Bahati commencer à dire non, 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 ils ne veulent pas assumer. Qu'est-ce qui a changé pour que Tshisekedi demande aujourd'hui le départ de la MONUSCO? C'est la question que je me pose. Ils s'opposaient mordicus, et lui et son parti et son père, quand Kabila faisait les mêmes explications que lui tente de donner aujourd'hui. Pourquoi ils veulent le départ de la MONUSCO à la veille des élections? Oh, il y a des élections au mois en 2023. Pourquoi la MONUSCO doit partir avant les élections? Pourquoi faut-il aller chauffer le peuple alors qu'on sait que les élections, la MONUSCO nous apporte quand même un appui logistique important? Il y a des coins où les isoloirs, les bureaux de vote n'arrivent pas. Ce sont les hélicoptères de la MONUSCO qui les font. Il y a des coins de ce pays que vous ne pouvez pas atteindre si la MONUSCO n'est pas là. Comment peut-il demander le départ de la MONUSCO aujourd'hui? Moi,
Je l'affirmerai, je me pose des questions, je voudrais qu'on réfléchisse ensemble. Comment cet homme qui était contre la MONUSCO, qui était pour la MONUSCO hier, à la veille des échéances importantes, il réclame aujourd'hui la MONUSCO? Et voyez la coïncidence. Quand on vous dit que Tshisekedi, il y a des accords bizarres qu'il a signés avec Kagame, le même demande, la même volonté de voir la MONUSCO partir est aussi exprimée du côté de Kigali. Ça cache quoi? Qu'est-ce que Tshisekedi veut exactement? Aujourd'hui, ils sont en train de reprocher au porte-parole de la MONUSCO. Il ne déclare personne non grata. Pour chasser le porte-parole de la MONUSCO, le ministère des Affaires étrangères écrit. Mais ça fait plusieurs mois que les Congolais ont manifesté à Kinshasa pour demander le départ de Karega. Pourquoi Karega est toujours à Kinshasa? L'ambassadeur du Rwanda au pays. Cet homme a nié nos victimes. Cet homme s'est exprimé de manière désobligeante pour notre pays. Lutundula était toujours là comme ministre des Affaires étrangères. Tshisekedi était toujours là comme président de la République. Pourquoi Karega n'a jamais été déclaré comme personne non grata? Alors que les propos, parfois tenus par l'ambassadeur du Rwanda, sont d'extrême gravité, plus que les propos tenus par le porte-parole de la MONUSCO. C'est quoi cette célérité à demander et à déclarer le porte-parole de la MONUSCO personne non grata pour des propos, alors que lui, Tshisekedi nous a dit que Karega, que le Rwanda était le pays agresseur, que le M23 était un mouvement terroriste qui bénéficie du soutien du Rwanda. Mais l'ambassadeur du Rwanda, qui a tenu parfois des propos outrageants contre nos intérêts, contre la République, lui, il est toujours la bienvenue. Et à l'heure où nous parlons, il est toujours sur le sol congolais. Mais là, ils sont en train de chasser un fonctionnaire parce qu'ils disent qu'il a tenu des propos qui sont de nature à défavoriser le climat de paix. Qu'est-ce que Tshisekedi vous cache, Congolais? Je suis d'accord que la MONUSCO parte. Mais la coïncidence, la célérité que Tshisekedi est en train d'utiliser m'amène à me poser des questions. Cet homme aujourd'hui est dans la logique du pouvoir pour le pouvoir. Il veut imposer un régime dictatorial. Il n'est pas dans la logique d'organiser des élections démocratiques. D'abord, il n'est pas dans la volonté de les organiser. Il tient à voir son glissement. Et même s'il a devenu qu'il n'ait pas son glissement, il sait que le Congolais ne les voteront plus. Qui est ce Congolais consciencieux qui va prendre son bulletin et va le déposer dans les urnes pour voter ce régime? Pour voter cet homme qui a lamentablement échoué. Des 5 présidents de la République démocratique du Congo, il est le pire de ces 5-là. Qui va le voter? Qui va le voter? D'où vient ce volte-face d'un homme qui avait fait de la MONUSCO comme un... qui défendait Beko Ong et aujourd'hui, qui utilise même Bahati pour enflammer la situation pour... Bah, manifestation Bimi. Bazar responsable à Blokwane Bimi. Batouba Koufi, plus de 20. Au lendemain des discours de Bahati Lukwebo. Bahati ne peut pas le faire si ce n'était pas avec la bénédiction de Félix Tshisekedi. Ils sont ensemble. Et il doit vous dire ce qui s'est passé exactement. Pourquoi ce changement de cap aujourd'hui? Pourquoi faire des. Ils ont fait une réunion dans laquelle ils ont. Ils ont décidé de. Comment ça s'appelle? Dans lesquels ils ont décidé de précipiter le départ de la MONUSCO. Aujourd'hui, la MONUSCO ne doit plus partir en 2024, mais ils ont raccourci. Ils sont en train de travailler pour raccourcir. Ils doivent nous dire, je suis d'accord avec vous, les amis, que la MONUSCO parte. La MONUSCO a plus de 10 000 casques bleus aujourd'hui dans le pays. Mais on dit que la MONUSCO est incapable d'assurer la paix et la sécurité. Ça se voit d'ailleurs. Mais vous voulez faire partir la MONUSCO de notre sol? Mais Tshisekedi veut faire venir les forces de l'Union, les forces du regroupement des pays de l'Afrique de l'Est. La MONUSCO est incapable, avec plus de 10 000 ou de 20 000 casques bleus, de pacifier le pays et de combattre le M23. On chasse la MONUSCO, mais on accepte que les pays étrangers, que la force des pays de l'Afrique de l'Est viennent chez nous. Et on accepte que l'Ouganda fasse partie de ces forces-là. Quand on sait que d'une certaine manière, l'Ouganda a aussi sa part de responsabilité dans ce qui se passe. Vous chassez la MONUSCO, vous ouvrez les frontières pour les armées de l'Afrique de l'Est. Qui vous dit
qu'eux, ils vont réussir là où la MONUSCO a échoué. Qu'est-ce que Tshisekedi vous cache, Congolais? Ouvrez l'œil et le bon. Ne faites pas confiance à Tshisekedi. Il y a des choses qu'il ne nous dit pas. Il y a des choses que Tshisekedi ne nous dit pas. La MONUSCO va partir et on va ouvrir les frontières pour accueillir les armées de l'Afrique de l'Est. Qu'est-ce qu'ils viendront faire chez nous? Il a fait rentrer l'Ouganda à l'heure où nous parlons. Ils sont là. Il est incapable de nous dire quand est-ce que l'Ouganda va partir. Et la mission de l'Ouganda, c'est un échec patent. Parce qu'ils sont là, on continue à tuer. Les ADF sont là. On a le roi de Tabara. Il a ouvert les frontières au niveau du plateau Minembwe pour les Burundais. L'armée burundaise est chez nous pour traquer le roi de Tabara, soi-disant. Vous avez le Rwanda dont il dit qu'il est derrière le M23. Mais là, il veut ouvrir pour que les autres nations, le Kenya, les ceci, qu'ils viennent entrer. Entre-temps, ils travaillent pour chasser pour le départ de la MONUSCO. À quoi on joue? À quoi on joue? Posons-nous des questions et les bonnes. Cette précipitation, ces volte-face de M. Tshisekedi, qui hier était l'homme de la MONUSCO, qui prêchait pour la présence de la MONUSCO, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui il change et qu'il prêche pour le départ de la MONUSCO? Vous pensez que c'est innocent? Non, je ne crois pas que c'est innocent. Pas du tout. Moi, je refuse de croire que c'est de manière innocente. Il y a bel et bien anguille sous roche. Il y a anguille sous roche. La MONUSCO que lui-même vantait, qu'il présentait comme une force devant rester dans le pays. Aujourd'hui, il commence à travailler et à instrumentaliser même ses lieutenants pour qu'on chasse la MONUSCO. Il doit vous dire la vérité. Et qui vous dit, chers compatriotes, que le départ de la MONUSCO est une sorte de panacée, est une sorte de solution miracle? C'est quel régime qui n'assume jamais rien, qui ne connaît rien et qui ne fait rien? Ce n'est pas moi, c'est Kabila. Ce n'est pas moi, c'est Katumbi. Ce n'est pas moi, c'est les journalistes qui étaient là payés. Tout, ce n'est pas moi. Il n'est au courant de rien. Aujourd'hui, ce n'est pas lui, c'est la MONUSCO. La MONUSCO va partir. Mais la responsabilité des Congolais, c'est de nous asseoir, poser la question à notre président de la République. Monsieur le président, ça fait 4 ans que vous êtes là. Dites-nous quelles sont les réformes que vous avez apportées pour notre armée. Seules les forces armées de la République démocratique du Congo seront à même de nous protéger mieux que tout autre pays. Partout, il va signer des accords. On lui dit qu'il est temps de réformer les FARDC. Mais qu'il vous dise, chers compatriotes, qu'en 4 ans, qu'est-ce qu'il a fait pour nos forces armées? Les millions qu'on détourne, les amis, il les lance de manière alambiquée cette affaire comment ça s'appelle? De l'état de siège. Une année après, ça a échoué. La commission défense de l'Assemblée nationale démontre que c'est une histoire qui a été mal réfléchie, mal montée. L'argent qui est sorti a été détourné à Kinshasa. L'argent n'est pas arrivé là-bas. Personne n'est sanctionné. L'armée est en guerre. Il prend son avion. Il va pour sa jouissance à Marbella, laissant les enfants des gens en train de se faire canarder là-bas. Lui, commandant suprême, en train de jouir à Marbella. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui se passe? Comment on peut faire confiance à un tel homme? Comment on peut faire confiance à un tel homme? Aujourd'hui, il vient et vous dit, la MONUSCO doit partir. Il envoie Bahati pour que Bahati enflamme la situation. La MONUSCO va partir. Avons-nous les forces de sécurité, de défense, de renseignement capables de répondre aux enjeux et aux exigences sécuritaires d'un État grand comme le Congo? Kabound vous a dit qu'en 4 ans, ils n'ont pas acheté même des bottines. Les militaires et les policiers n'en ont pas. En 4 ans, Tshisekedi n'a pas acheté ça. En 4 ans, Kabound l'a dit. C'est facile de trouver les boucs émissaires. C'est facile de dire ce n'est pas moi. C'est très facile. C'est très facile. Quand on ne veut pas assumer ses propres responsabilités, on voit toujours l'enfer chez l'autre. On est incapable de s'asseoir, d'étudier, de poser les diagnostics des problèmes importants qu'on a devant soi. Et de pouvoir échafauder des solutions. Non, là, c'est toujours les autres. C'est toujours les autres. Ce n'est pas moi, c'est les Rwandais. Ce n'est pas moi, c'est tel. Ce n'est pas moi, c'est tel. C'est Paul Kagame. Si l'insécurité dans l'Est de la République profite au Rwanda, ne demandez pas à Paul Kagame de vous donner la paix sur un plateau. Non, nous sommes dans les relations internationales. Tout le monde le sait que c'est des relations qui sont basées sur les intérêts. Il n'y a pas de question d'enfant de cœur dans les relations internationales. Les forts mangent les faibles.
Allez poser la question à Poutine, qu'est-ce qu'il est en train de faire à l'heure où nous parlons à l'Ukraine. Posez la question aux Américains, qu'est-ce qu'ils sont allés faire en Afghanistan. Qu'est-ce qu'ils sont allés faire en Irak. Qu'est-ce qu'ils sont allés faire là-bas. Qu'est-ce qu'ils sont allés faire là-bas. On vous vend aujourd'hui un pays de pleurnichards, des gens incapables de réfléchir, qui ne peuvent pas s'asseoir pour cogiter autour de leur situation, qui sont là pour jeter l'anathème sur les autres, pour trouver l'enfer et les diables dans l'autre camp. Nous, nous sommes saints, nous ne comprenons rien. Non, les amis, il y a un problème. Il y a un problème. Ouvrez l'œil et le bon. On est en train de nous distraire. Notre problème, à l'heure où nous parlons, s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est la vérité, je vous dis. Votre problème s'appelle Tshisekedi. Il n'a pas suffisamment des épaules larges pour gérer le pays. Il est perdu. Il est perdu, ce monsieur. Regardez sa gestion, vous allez vous rendre compte qu'il n'a plus le contrôle de la situation. Il touche à n'importe quoi. Et tout ce qu'il touche complique davantage la situation dans le pays. Complique davantage la situation dans le pays. Aujourd'hui, il vous dit qu'il faut chasser la MONUSCO. Et je vois tout le monde y aller. Chasser la MONUSCO. Je suis d'accord, la MONUSCO doit partir. Quand Kabila lui a dit que la MONUSCO doit partir, lui, tu sais qu'il avait refusé. Il a dit que la MONUSCO doit rester. Aujourd'hui, il est en ligne de front pour demander le départ de la MONUSCO. Ça cache quoi? Je ne suis pas pour le maintien de la MONUSCO. Hein. Je vous amène à réfléchir, à vous poser des questions. Non, il y a des choses. Nous devons être capables de nous asseoir, de nous regarder en face, de poser des questions qu'il faille, de poser des bons diagnostics, afin de pouvoir cogiter sur des réponses que nous devons apporter à nos problèmes. Là, on est en train de faire fausse route. Ce régime que Kabound appelle des régimes de jouisseurs, des détourneurs et des incompétents, ils le sont effectivement, je le confirme. Ils nous drainent comme des moutons en train de nous amener droit vers l'abîme. Et ils pensent qu'on n'a pas de cerveau pour réfléchir. Réfléchissons un peu, les amis. Ne vous laissez pas embarquer. Posons des questions qu'il faille. Et trouvons des réponses. Et la meilleure des questions qu'il faut se poser, pour le moment, est-ce qu'avons-nous un président capable d'assumer le rôle des commandants suprêmes du président de la République? Je vous dis, en vous regardant droit dans les yeux, que Tshisekedi n'est pas à la hauteur de ses fonctions, à la hauteur des attentes de ce peuple. Au lieu de manifester contre la MONUSCO, contre le Rwanda, manifestons contre Tshisekedi. Parce que c'est lui qui a reçu mandat. C'est lui qui a reçu mandat. Il a prêté serment en nous promettant de sécurité. Il a prêté serment. Et là, on est en train de vous détourner. On les laisse calmement dans sa jouissance, dans ses multiples voyages touristiques. Ils montent, ils descendent, ils prennent l'argent, ils vident les caisses de l'État. Kabound vous dit qu'ils vont mettre ça dans des paradis fiscaux. Et quand ils sont mis devant leurs responsabilités, ils trouvent un bouc émissaire. C'est Kagame, c'est le Rwanda. Ouvrons l'œil et le bon, les amis. Posons-nous les bonnes questions. J'étais heureux de vous présenter cette émission. Ça se termine là. Retrouvons-nous demain pour un autre numéro. Bonsoir chez vous. Je recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolet. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.